I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Papa, est-ce que ça va? Papa, parle-moi, s'il te plaît. Je ne t'entends pas. Il paraît qu'un accord mystérieux que jouait David plaisait à Dieu. Mais la musique ne t'intéresse pas. N'est-ce pas? Harrison, ferme-la. Papa, qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Papa, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Ferme-la. Ferme-la. Putain. Hank et moi bossons ensemble depuis 30 ans. Tu trouveras personne de plus réglo. Il gérera les finances. C'est absurde. Et Tante Deb sera là. Non. Tu auras besoin d'aide avec tes finances. Pour les factures. Les paiements et le budget. Le type à la queue de cheval sera mon tuteur? Pas un tuteur. Un administrateur financier. Il l'a coupé il y a des années. Je ne veux plus en parler. Et moi non plus. Mais on doit avoir cette discussion. Il te faut quelqu'un. J'ai quelqu'un. Iwatomi. Iwatomi? Tu la connais à peine. Les choses avancent. Disons qu'il y a eu du pelotage. Et bientôt plus. C'est super. Mais je dois m'assurer qu'on t'aidera sur le long terme. Je ne serai pas là éternellement. Car tu as arrêté ton traitement. Tu m'avais assuré du contraire. Mais tu as abandonné. Tu as abandonné. Pas du tout. Je l'ai changé. Et je n'abandonne pas. Je continuerai de me battre. Mais on doit se préparer, Jack. Je dois m'assurer que des gens s'occuperont de toi. J'ai Iwatomi. Merci pour la veste. Jack. On se voit à la fête. Le monde dans nos yeux. Le centre Grayson. Pour gagner son indépendance. On propose des cours de cuisine. De budgétisation, de thérapie équine. Cinéma le jeudi soir. Sortie pédagogique le samedi. Vos journées seront remplies d'activités. Votre frère me dit que la mode vous intéresse. Oui, la mode l'intéresse beaucoup. Pas vrai, Violet. Je devrais rester longtemps? Bonne question. Chaque cas est particulier. Mais c'est en moyenne 2 à 3 ans. Quoi? Tu n'as jamais dit ça. Voir. 6 mois, pas vrai. Exact. Tout est possible. Mais la plupart des gens se plaisent ici. Va chier, Van. Va chier. Violet. Votre frère veut s'assurer que vous. La ferme. Bon sang. Ma place n'est pas ici. Violet. S'il te plaît. Tu as accepté de passer l'entretien. Et de faire la visite. Je suis désolée. Violet. Arrête. Tu fais quoi? Arrête. Maman n'aurait jamais fait ça. M'envoyer dans un endroit pareil. On peut y retourner? C'est à cause de Mandy. Quoi? Pourquoi? Tu m'éloignes. Pour que vous soyez ensemble. Tu l'as embrassée. Je suis au courant. Harrison vous a vu. Ça n'est arrivé qu'une fois. Mandy est à moi. À moi. Ramène-moi à la maison. Harrison? Je peux entrer? J'entre. D'accord? Salut. Prêt pour la grande fête? C'est quoi, cette tenue? Tu ne viens pas. Je sais. Mais tes parents m'ont invité. C'est quoi, cette valise? Je rentre chez moi. Ce n'est pas possible. Si. Bon, écoute, je sais que tu n'es pas prêt à me pardonner, ce que j'accepte. Je le comprends, mais... Sors. Harrison. S'il te plaît. Vis. Ton frère m'a raconté. Désolé. C'est la merde. Je sais. Attends. Vis. Sache que ce qui est arrivé entre ton frère et moi était une erreur. Tout est ma faute. Mais c'est fini. Ça n'arrivera plus. Vis. J'entre. D'accord? Jamais je ne chercherai à te faire du mal. Au grand jamais. C'est de sa faute. Pas de la tienne. Toutes les filles craquent sur lui. C'est un con.
Et il a toujours des petites amies Canon. C'est d'un agaçant. Alors, le centre Grayson? C'était horrible. C'est super loin des magasins. Ou d'un arrêt de bus. On te force à faire des activités. Et à nettoyer des canassons. Pendant 2 à 3 ans. Je veux rester ici, Mandy. Mais Van va me forcer à y aller. Je le sais. Écoute, ma chérie. Tu es une adulte. Personne ne peut te forcer la main. C'est vrai. C'est vrai. Bon, allez. Préparons-nous pour la fête. Tu as ton grand rencard. Avec Douglas ce soir. C'est pas un rencard. Douglas est un ami. D'accord. C'était juste mon impression. Tu te trompes. C'est quoi? Jack? Tu peux baisser le son? Pas maintenant. C'est trop bruyant. Le chagrin s'estompe. L'amour est permanent. Les assurances flagship. Votre avenir est notre raison d'être. Bordel. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde des pubs manipulatrices. Sur le plan émotionnel. Pourquoi? Pour apprendre à pleurer. Pourquoi? Pour qu'Iwatomi me croit. Quand je ferai ma demande. Quand tu feras quoi? Demander Iwatomi en mariage. Donc, si quelqu'un vous salue, souriez et répondez. Puis posez des questions. Attendez. Si c'est trop pour vous, sortez respirer un coup. Amusez-vous. C'est une fête. On gère. T'inquiète. Tu t'en fais trop. Ce qu'on a dit à propos d'Iwatomi? Mollo. Ça prend du temps. Je n'en ai pas. Au besoin, je suis là. J'ai pas besoin de toi. Bon. Allez-y. Génial. Comment ça va? Les fêtards? Énorme dédicace aux invités ce soir. L'heure est venue de faire la fête. Mince alors. Harrison. Regarde-toi. Tu es trop beau. Tu danses avec moi? Non. D'accord. Alors, oui, après. Tu danseras avec moi. Je n'accepterai aucun refus. Salut, Harrison. Tu es trop beau. Joli costume, mon grand. Salut. Vous êtes beau. Mince. Regardez-vous. Je veux une photo. Tous les trois. La même pose. Quand maternelle. Vous vous rappelez? Harrison, regarde-moi. Dans les yeux. Regarde-moi. Voilà. Merci. C'est quoi, cette valise? Rien. Je vais dans ma chambre. Il a l'air contrarié. Ça va aller. C'est les gens et la musique. Je vais avec lui. Vous nous sauvez la vie. Merci. Merci. Salut, Violet. Douglas, le rencard de Violet. Dis donc. Super. Il n'y a pas de rencard. L'Uber pour venir ici a coûté cher. Mais ça ira si on s'embrasse après. Dans tes rêves. T'es sûr? Rien dans le monde n'a jamais été. Aussi sûr? Douglas. D'accord. Je ne peux manger que du poulet saté. Ma glycémie ne doit surtout pas être trop basse. L'enjeu est important. J'aimerais vous donner mon numéro. Envoyez un texto quand vous repasserez. Navré, je ne peux pas. Mais je vous chercherai. C'est carrément inutile. Iwatomi. Bonjour, Jack. Tu es belle. Merci. Toi aussi. Tes seins sont très beaux dans cette robe. Je sais pas si ça se dit. Mais c'est pas négatif. Je prends ça comme un compliment. Iwatomi, certaines personnes ne veulent qu'une chose dans une relation. Mais cette chose ne m'intéresse pas. Je parle du sexe. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ravi de l'apprendre. Mais je ne suis pas contre. Ce serait chouette. Si tu pouvais me prévenir. Que je sache quand ça pourrait arriver. Car, techniquement, ce serait la première fois pour moi. Et j'aime être prêt. Les surprises et moi, ça fait deux. Je tâcherai de m'en rappeler.
ce que j'essaie de dire maladroitement. Tu me plais. Et j'aimerais qu'on avance. Moi aussi, Jack. D'accord. Tant mieux. Mangeons un morceau. Pour que notre glycémie ne baisse pas. Non. Pas elle. Elle sert à rien. Trouvons quelqu'un d'autre. Il y a du poulet, je crois. C'est pas vrai. C'est comme dans la pub. Quoi? C'est le destin. Va-t'en, s'il te plaît. Tu dois me parler. Je ne veux pas. Écoute. Tu ne me pardonneras pas si vite. Mais la solution, ce n'est pas de rentrer. J'avais un ami. Ah. J. Et sa mère m'a interdit de le voir. Jack me traite de gros débile. Et me blesse sans arrêt. Je souris et j'encaisse. Van veut que Violet aille vivre. Au centre Grayson. Et je croyais que tu m'aimais. Tu me l'as dit. Et t'as embrassé Van. Je n'ai personne. À l'appartement. Personne. C'est la merde, Mandy. C'est la merde, et j'arrête. J'arrête. Tu te rappelles. Quand tu ne pouvais pas sortir? Quand tu te goinfrais tous les soirs? Et quand tu étais trop timide. Pour me parler à moi ou aux autres? Voilà où tu en étais quand tu vivais ici. Tu as parcouru un long chemin, Harrison. Un putain de long chemin. Et tu dois continuer à avancer. Tu ne dois pas reculer. Et si j'ai perdu ta confiance? Et que tu ne penses pas pouvoir me pardonner? Alors, tant pis pour moi. Auquel cas, ce n'est pas à toi de partir. Mais à moi. C'est un 33 tours de thriller. Plutôt en bon état. Regarde-elle. Regarde comme il est maléfique. C'est supé. Cette histoire. Je trouve qu'il est plutôt cool. Pourquoi t'es de son côté? Non. Je suis du tien. Je ne supporte pas de devoir toujours lui obéir. Pourquoi? J'ai 26 ans. Regarde-toi. Tu décides tout seul. Tu as ton propre appart. Un boulot. Tu es indépendant. Pourquoi pas moi? Si tu peux y arriver, moi aussi. Non? Je pense. Tu penses? Tu penses? Je suis bien plus sociable que toi. Ton boulot consiste à trier des livres. J'ai bossé chez Arby. J'ai assuré quand c'était le rush. T'as pas été viré? Le fait est que je peux le faire. Je pourrais être comme toi. Douglas? Tout est clair maintenant. Quoi donc? Tu es une inspiration. Inutile d'apprendre à être indépendante. J'ai toutes les compétences requises. Je dois juste me lancer. Merci, Douglas. Merci. Oui, cool. Il faut qu'on parle. D'accord. Allons discuter. Pardon. Excusez-moi. Vous êtes le père de Jack? Félicitations. Merci. Pourquoi? Jack va faire sa demande en mariage. Quoi? Violet me l'a dit. Il va le faire au kiosque. Il faut que j'aille me laver les mains. Je veux plus me disputer avec toi. Moi non plus. Arrêtons de hurler. Réglons ça. En adulte. Car on est deux adultes. Oui. Complètement d'accord. J'ai réfléchi. Et je pense que tu dois me donner ma part de l'héritage. Quoi? De maman et papa. Donne-moi ma part, je me débrouillerai. Je paierai pour moi. Prendrai mes décisions. Tu n'auras plus à t'en faire pour moi. Tu sais que ce n'est pas réaliste. Douglas vit tout seul. Il a son propre appartement. Un boulot. Il est indépendant, et c'est un gros coin sauce. Je suis bien plus posée. T'as pas de boulot. Tu n'en as pas. Tu n'as jamais vécu seul. Ni payé de facture. À qui la faute? T'as gardé l'argent. Tu l'as utilisé à ta guise. C'est faux. Fais pas le radin, je veux mon fric. Y en a pas. Tu l'as claqué? Y en a jamais eu. Quoi? Depuis la mort des parents. Je paye tout. Ils n'étaient pas ceux que tu crois. J'ai dû me débrouiller seule. Maman et papa. Ce n'est pas possible. Tu mens. Non.
Je sais que tu veux ton indépendance. Je le sais. Crois-moi. C'est aussi ce que je veux. Mais tu n'es pas encore prête. Voilà pourquoi tu dois aller au centre. C'est la façon la plus rapide pour y parvenir. La façon la plus rapide pour te débarrasser de moi. Violet ? Non. Non. Ne redis plus jamais de mal de maman. Salut. Mandy. Je peux vous parler ? Désolé. Une seconde ? Bien sûr. Oui. Merci. Excusez-nous. On revient tout de suite. Salut, Lou. Ça va ? Oui. Bien. Et vous ? Moi, ça va. J'ai un peu de mal avec Violet. Donc, navré de l'apprendre. Oui. Ça devient plus facile avec le temps ? Quand il était enfant, Jack piquait des crises effroyables. Vous devez vous en souvenir. Oui. Il criait et hurlait. Se bagarrer avec les autres. Il les mordait. Moi aussi, oui. Je l'emmenais au terrain de jeu. Et regardais autour de moi en souhaitant avoir n'importe quel autre enfant à sa place. Puis j'ai commencé à réaliser qu'il me rendait meilleur. Je devenais un peu plus bienveillant, plus compatissant. Et j'aime celui que je suis devenu. Si ça devient plus facile ? Non, pas vraiment. C'est un sacré fardeau, mais aussi un cadeau. Je suis certain d'une chose. Si vos parents pouvaient voir comment vous gérez tout ça, ils seraient très fiers de vous. Merci, Lou. D'accord. C'est parti. Je dois te parler de quelque chose. D'accord. Mon père change de traitement. Je sais que la chimio était difficile. Mais l'immunothérapie, c'est bien. Il n'est pas éternel. Et je dois penser à mon avenir, Iwatomi. À notre avenir. Notre avenir ? Je sais que ça paraît un peu extrême. Mais si on... Disons, si on était ensemble. D'accord ? Vraiment ensemble. On serait là l'un pour l'autre. On aurait quelqu'un sur qui compter. J'aurais quelqu'un pour m'aider. Avec ce qui me dépasse. Quand mon père... Tu sais. Et toi, tu as 38 ans. Tu veux sûrement des enfants. Tu ne dois donc pas trop tarder. C'est logique. Enfin, pour moi. C'est logique pour moi. Jack. Tu me demandes en mariage ? Oui. C'est ça. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Veux-tu ? Veux-tu m'épouser, Iwatomi Kokumo ? Je rentre chez moi, Jack. Déjà ? On attend encore les cupcakes. Il y en aura 100 produits laitiers. Chez moi. Au Nigeria. Ma sœur est malade, je dois m'occuper d'elle et de ses enfants. Et selon l'évolution de la situation, je risque de rester. Tu pars au Nigeria. Oui. Je suis désolée. Je cherchais comment te le dire. Jack, tu vas t'en sortir. Je le sais. J'aurais eu une chance ? Si tu ne rentrais pas au Nigeria. J'aurais eu une chance ? On ne se connaît pas encore assez. Si tu ne rentrais pas au Nigeria. Et qu'on se connaissait mieux. J'aurais une chance ? Une femme voudra de moi, un jour ? Jack. Jack. Cette femme aura de la chance de t'épouser. Tu es drôle et intelligent. Et sous ton apparence bourrue, tu es un homme adorable. C'est une espèce rare. Je peux te donner un conseil ? Essaie de sourire plus souvent. Tu as un beau sourire. Mais tu ne souris pas assez. Je n'ai pas envie de sourire, en général. Alors, fais semblant. Mandy sourit tout le temps. Ce qui m'écœure. Et l'autre chose dont on a parlé. Quelle autre chose ? Sur le fait de te prévenir ? Vous l'avez embrassé dans l'appartement ? Dans le couloir. D'accord, dans le couloir. Je l'ai dit, c'était un manque de professionnalisme absolu. Et une grosse erreur de ma part. J'en suis profondément navré. Ce qui s'est passé entre Van et moi. C'est fini, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que j'ai perdu la confiance d'Harrison. Il ne me fait plus confiance. Cela affectera mon travail.
En fait, c'est déjà le cas. Voilà pourquoi j'ai décidé de démissionner. Vous démissionnez? Je pense que c'est la seule solution. La solution? Vous pensez? Vous lui avez brisé le cœur. Su. Quoi? Calmons-nous. Me calmer? C'était censé être le jour de gloire de notre fille. Et ce jour-là, on a cette discussion. Qu'y a-t-il? Nicole, tu peux nous laisser? Vous saviez. Vous saviez pour le Montana. On vous a dit qu'on partait. Qu'on comptait sur vous. Et vous nous faites ça? Je me fiais à vous. Je nous croyais liés. C'est mon bébé. Je savais que ça arriverait. Je vous avais dit de lui en parler. Vous lui cachez des trucs. Comme à un gamin. C'est un adulte? Dites-lui. Que se passe-t-il? Vous déménagez? Chérie. Vous partez? Harrison. Tout ira bien. Oui. Promis. Écoute, chérie, on t'aime. On t'aime énormément. Et la maison? On la vend. Mais la maison du Montana sera pour nous tous. Tu pourras nous rendre visite. Quand tu voudras. On y passera les vacances. Vous vendez la maison. Vous la vendez et vous déménagez. Ton père et moi serons toujours là pour toi. Pourquoi? On va t'entendre. Pourquoi? Arrête. Pourquoi? Ne m'approche pas. Pourquoi? Harrison. Est-ce que ça va? Tout le monde s'en va. Mes parents aussi. Mandy, tout le monde s'en va. Tu t'en vas? Non. Violet. Ça va aller. Pourquoi? Il faut que j'enlève ce costume. Faut que je l'enlève. Poussez-vous. Faut que je vire ce putain de costume. Saleté. Pourquoi? Mon pote. Harrison. Pourquoi? Harrison. Pourquoi? 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 Qu'est-ce qui vous prend? On n'abandonne pas ses enfants. Comment pouvez-vous faire ça, Violet? Comment pouvez-vous faire ça? Ils doivent rester avec leur fils. Maman et papa ne voulaient pas de moi. Tu ne veux pas de moi. Personne ne veut de moi. On va sortir. D'accord? Je te hais, Mandy. Je te hais. Ça va aller. Tout ira bien. Allez. Promis, tout ira bien. Ça va aller. D'accord? On va sortir. D'accord. Super. Bon, le spectacle est fini. Tout va bien. On va s'asseoir. Mes parents s'en vont. Je sais. Ils vendent la maison. Plus de parents. Plus de Nicole. Plus de maison. Je sais. Asseyons-nous. J'aime pas le changement. Je sais. Tu m'as blessé. Tu es mon ami et tu m'as blessé. Je sais. Je suis sincèrement navrée. Je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner. Car j'ai vraiment tout fait foirer. Mais sache que je t'aime, Harrison. Tu comptes pour moi, d'accord? Tu dois le savoir. Tu comptes vraiment énormément pour moi. Ne pars pas, Mandy. Je t'en prie. Violet? T'es là? S'il te plaît, réponde-moi. Violet? Est-ce que ça va? Ne m'envoie pas là-bas, Van. Je risque d'y mourir. S'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas de moi? Pourquoi personne ne veut de moi? Je veux de toi, Violet. Toi et moi, on est une famille. D'accord? Ouvre la porte. Je veux m'assurer que tu ailles bien. J'ai quelque chose pour toi. Violet. Je n'aurais jamais dû te prendre ce téléphone. Je suis désolée. J'ai 29 ans, Violet. Je maîtrise que dalle. Je ne sais pas ce que je fais. Je commets des erreurs. Et, tu sais, tu as besoin de moi. Mais j'ai besoin de toi. Tu es ma famille, Violet. Tu es mon unique famille. Donc, oublie le centre Grayson. Oui, on se débrouillera. Rien que tous les deux. Ensemble. Oui, sortons d'ici. Il n'y a que 3% de batterie. T'aurais pu le charger. Désolé. Tu veux jouer au ping-pong? T'as pas idée. Toyota Prius arrive dans 4 minutes.
Mon studio, c'est une dépendance. Chez mes parents. Ils paient mon loyer. Ma mère fait mon ménage et ma lessive. Il paie mes factures. Et me demande pas de loyer. Et mon coach de vie vient. 3 fois par semaine. Et tu me l'as caché? Mon indépendance semblait impressionnée et... Disons que tu me plais. Tu seras pas mon petit ami. Pourquoi? Je veux un petit ami normal. Pourquoi? Quelle importance d'être normal? Je suis navrée qu'elle n'ait pas dit oui. C'est pas grave. Je te vois demain? Bridge et pizza? Oui. Jack. Je suis si fière que tu sois mon fils. Je veux que tu le saches. Je suis si fière. Salut, Jack. Salut, Jack. Salut, Harrison. Comment tu te sens? Ça va? Oui, Jack. Tu veux jouer? Oui, mais je suis meilleur que toi. Tiens. Jouer. D'accord. Du ping-pong? Cool. Douglas m'a embrassé. Bizarrement, ça m'a plu. Il a mis la langue. Mais il l'a tournée délicatement. Il l'a pas fourrée dans ma gorge. Épargnez-nous les détails. Ou je vais vomir. Je vais bientôt devoir partir. Car Iwatomi veut coucher avec moi. Quoi? Ce soir? Et tu joues au ping-pong? Évite de le faire. À l'arrière d'un pick-up. Vous allez vous marier? Non. On va coucher ensemble. Puis elle rentrera au Nigeria. Estce Kewatomi va te manquer. Oui. Prêt? Violet, si tu joues, joue sérieusement. Au service, un rebond de ton côté. Dixit qui? Déjà. Le règlement de la Fédération. International de tennis de table. C'est bon? Serre. Je vais te donner des conseils. Question sexe. D'accord. C'était pas une erreur. C'était pas un simple baiser. Et je comprends bien. Qu'on doive s'arrêter là. Je suis d'accord. Mais. C'était pas une erreur. C'est tout. C'est tout. Sous-titre. Luc Kenoufi. Direction artistique. Thomas Brautigam-Fleischer.